Salut à tous, c'est Rul et bienvenue dans ce dernier épisode de Fallout. Je suis désolé, vous allez manquer une petite partie de l'aventure pour la simple et bonne raison que ma console a crashé pendant l'enregistrement et que j'ai sauvegardé par-dessus la sauvegarde. Alors en gros, j'ai pas fait grand-chose. Dans la fin du dernier épisode, je devais être dans une centrale pour rediriger l'énergie vers mon casino pour avoir les robots. C'est fait et maintenant, c'est lors de l'attaque finale du barrage de Hoover, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai avec moi un Securiton MK2 méga armé avec des lance-roquettes et bien sûr mon acolyte Boone. Et donc bah, on va faire cette quête du barrage et j'ai deux options. Alors soit j'aide la RNC, en gros c'est ça, j'aide la RNC, je désactive le barrage, comme ça le barrage ne produit plus d'électricité et la RNC arrête de s'en occuper. Ou alors la deuxième solution me paraît la mieux, c'est quoi déjà ? Je redirige l'énergie du barrage vers chez moi. Et comme ça. Ah, c'est des grands cannes, j'ai pas vu. Je redirige l'énergie vers chez moi et comme ça j'ai. J'ai assez de puissance pour tout tuer. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre, mon colonel. Et comme ça j'ai assez de puissance pour niquer. Et la Légion de César et la RNC. Comme ça tout m'appartient. New Vegas sera à moi. Il n'y aura plus de jaloux. Si j'ai envie de tuer quelqu'un, eh ben je tue quelqu'un. Et ça me paraît très bien. Comme ça. En tout cas, je vote pour contrôler le monde. Fusil à levier, tac, on répare. Et j'ai eu un fusil à émeute. Alors, faut faire gaffe parce que mon Securitron, il tire aussi des missiles de temps en temps. La communauté vous vilipend pour votre comportement plus que monstrueux. Ouais, ouais. Je suis désolé. Mais je suis freelance, les gars. Je tue. Je tue tout le monde, en fin de compte. Tant que ça me rapporte, tant que c'est bénéfique pour moi, je tue. C'est comme ça, je sais, c'est pas propre. C'est pas propre. C'est pas propre comme style de jeu, mais c'est comme ça. Puis on a marre d'être gentil, d'être méchant. J'ai envie de tout faire pour moi. C'est déjà pas mal. Un fusil. Une carabine de tireur d'élite. Ça, rien que le nom, ça me plaît. Pareil, le fusil sniper. Le nom a l'air assez cool. Carabine de tireur d'élite. Oh la vache. Ça a l'air d'envoyer du boudin. Ah ouais. J'ai vu qu'il y avait une échelle, on va grimper à l'échelle. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Oh, il y a un sniper de la RNC. Ah, c'est vrai que j'ai un sniper aussi. Voilà. Ah, ça me tire dessus d'ici. Sacré port. Ah, ils font mal. Voilà, comment ça tremble. Oh, je s'est fait dessouder. Attends, passe-moi pas devant, sinon je vais tirer dessus, ça va te faire bizarre. Oh, attends, on va en profiter pour aller faire les poches du gars. Parce qu'on est comme ça, nous. Ça ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, en train de se faire tirer dessus partout. Oh là là, comment il défonce. Allez, on fout le camp, on va redescendre. On va se taquer au corps à corps. Oula, où est-ce que je suis? Ah, je suis carrément dans les... dans le barrage. Ok, pourquoi pas, on peut aller faire un tour dans le barrage. Je sais pas trop où ça va m'emmener, on va bien voir. Oh bah ça m'emmène dehors. Aïe 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 aïe.
Ah oui, maintenant même la RNC m'en veulent. Putain, quelle idée d'avoir tiré sur la RNC, je vais en avoir tous les côtés maintenant. Oh là là, mais j'ai un méga robot, il est trop puissant mon robot. Hein. Rejeté, vous avez laissé une impression médiocre à la communauté et risqué le rejet. Ok. Ça y est, ils ont compris que je me foutais de leur gueule depuis le début, qu'ils faisaient ça que pour moi. Il en aura fallu du temps. Ah non. Bah quoi que le pack d'identité ça sert à rien parce que. D'accord, je sais que la RNC n'est pas parfaite, mais j'ai combattu avec ces hommes. Plutôt crever que de les trahir. D'accord. Ça s'arrête là. Non, 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 non. Très bien, je ne ferai plus rien qui puisse nuire à la RNC. C'est vrai. Vous ne le ferez pas. Oui, c'est vrai. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait perdre Bonne. Parce que mine de rien, je l'aime bien. Mine de rien, je l'aime bien. Attendez, je vais en profiter pour me régénérer aussi. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait le perdre un moment. Allez, on boit de l'eau purifiée, ça devrait me régénérer. Allez, par ici, les carabines de tireurs d'élite. Par contre, si je... oh là là. Allez, aide-moi, robot. Putain, mais aide-moi, robot. Oui, mon robot. Mais je vais mourir! Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon robot? J'avais un méga robot! Oh non, je vais encore mourir! C'est pas vrai! Ah, je m'en fous, je bois tout ce que j'ai! D'accord, mais c'est quoi ce délire? Je suis sorti de tous les côtés. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là, mais ils sont combien? Alors, je crois que j'ai avancé un peu trop comme un bourrin. Je pense. J'en suis pas sûr. Mais je pense que j'ai avancé un peu trop comme un bourrin. Oh non! Oh, faut que je recommence tout le barrage, j'ai l'impression de plus. Non, non, je suis désolé, il me tire. Pourquoi il me tire dessus? Je voulais pas le tuer. Je suis désolé. Oh, le missile qui balance lui. Pourquoi je vais tirer dessus? Ça vient faire son speech, blablabla. D'accord, je sais que la RNC n'est pas parfaite, mais j'ai combattu avec ces hommes. Plutôt crever que de les trahir. D'accord, ça d'accord. S'arrête là. Très bien, je leur ferai plus. C'est vrai, vous ne le ferez pas. Je suis désolé, maman. Alors, je vais me soigner parce que je sais qu'ils vont arriver à 50. C'est de rester un peu éloigné pour pas se faire tirer dessus. Et où mon sniper? Je sais qu'il y en a aussi qui sont arrivés de là, je sais pas pourquoi ils sont arrivés de là tout à l'heure. Ah mais c'est qu'il est abîmé mon sécuritron. Tour d'admission. J'ai peur qu'il y ait des bacs à 150 là.
Ou alors, il me reste mon fusil avec mes grenades. Pour leur tirer des grenades dessus. Au pire. Bon, on va essayer, on vise un peu plus haut. Ouf. Est-ce que j'ai quoi le soigner? Ok, on va changer d'arme. Ça ne peut pas faire grand chose, hein. Ils sortent d'où eux? Oh, ça recommence comme tout à l'heure quoi. Putain, ils me sont allés dans le dos. C'est abusé ça de me les faire spawner dans le dos. Hein. Comment je vais faire là? Putain, ils me font tout réapparaître dans le dos. Pff. C'est vraiment pas cool. Hein. Est-ce que je peux leur parler? Je suis désolé. Allez. Non, ça marche pas. J'ai rangé mon arme, ne tirez pas dessus. Oh là là. Ça marche pas. Bon, bah, on a essayé de se rendre. Hein. Ils ont pas voulu. C'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Donc, ça marche pas. Les RNC veulent pas que je me rende. Je vais te défoncer quoi, je suis désolé. Et tire-lui dessus, oh là 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 là, 4 balles, je touche une fois. Non, il me dit rien là. Si. D'accord, voilà. Je sais que l'Iron... Ça. Alors, on va essayer de rentrer dans la tour. Hein. Pas s'embêter. De toute façon, ils ont des méga armures contre ça. On va rentrer dans la tour, on va voir ce que ça donne. Sinon je sais pas comment je vais faire, je suis bloqué là, j'ai pas cette puissance de feu. Ah oui, je vais rentrer, je vais monter en haut. Peut-être que de là-haut on pourra tirer. Pour leur tirer dessus sans trop de problème. C'est quoi ce bruit? Allez, fais-toi plaisir d'ici, les gars. Je suis même pas sûr de le toucher, quoi, ici. Avec mes armes. Oh là là, mais c'est une honte quoi, je visais rien du tout, je visais tout à côté. Allez, lance grenade. Oh oh oh, plein dessus. Ça fait bizarre hein. Ah, ça fait bizarre mon gars. Et ils ont pas encore apparu? Non. Tiens, goûte celle-là aussi. Il a explosé en morceaux le truc. J'espère que t'as kiffé.
C'est quoi ça? Ah, des cartouches de sniper. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ici. Sauvegarder, voilà, comme ça si je remeurs, j'ai déjà au moins éliminé ceux que j'avais dans le dos. Hein. Alors qu'est-ce qu'il avait lui? Cartouche, fusil sniper. Je vais pouvoir réparer mon sniper un petit peu. Voilà. Alors l'échelle elle est où? Il va y avoir une échelle dans le coin. Non, il n'y a pas d'échelle. Ok, bon, on va redescendre. On espère que les autres nous attendent pas comme des. Comme des vieux planqués, des vieux campeurs. Alors, espèce de campeur. C'est les bottes. Les bottes campeurs. Ah, vers les bureaux. Attendez, je suis curieux là. On va faire un petit tour au bureau. Vu que normalement ça devrait être le dernier épisode. On va en profiter pour faire un petit tour au bureau. Voir ce qui s'y cache. Faire tout le barrage par en dessous. Oh là. Putain, même ici ils sont fait défoncer les. La RNC. Qu'est-ce qu'il y a, terminal? Super, vraiment super. Vous vous souvenez de ces tenues dont je vous ai parlé? Elles ont disparu. Un glandu a ordonné une réorganisation de notre système de stockage et ne retrouve plus rien. Super. Bon, j'imagine qu'elles referont surface un jour ou l'autre. Convention des stocks présents ici, mais elles se limitent selon mes premières impressions à pas grand chose. Le matériel est dans un état déplorable, il faudrait effectuer des réparations majeures avant de lancer la production. Même un rythme minimal. On donnerait du pain sur la planche, ok. Johnson, j'ai trouvé une caisse contenant quelques tenues composées d'un matériau que je ne connais même pas. Ah bah. Ah, ça se trouve, il y a des super armures qui traînent dans le coin. Ça va quoi, il se faisait pas chier la RNC. Une étape de billard et tout. Ok, ils sont déjà battus alors à l'intérieur du barrage. Je vais en paix. Hein. Allons-y. Je vais en paix. Ils ont pas caché de trucs derrière les tableaux. Non. Ok les gars, on vous laisse. Ah mince, je ressors là. Ouais, c'est bien ça. La valeur DS d'une arme correspond aux dégâts causés par ce groupe. Ok. On est où là? C'est un méchant lui ou pas? Hop, on va prendre toutes les armes possibles. Cartouche, fusil. Bon, on va réparer les fusils, au moins on aura des méga armes. Fusil, ils sont où? Ils sont là. Je sais même pas ce qu'on fait ici. Bon, on va retourner vers les bureaux, on va remonter à la surface. On va essayer d'avancer un petit peu à la surface. À moins qu'il y ait un chemin qu'on n'ait pas encore pris en dessous. Dans le sous-sol. Ce qui serait fort possible. Style par là, je crois qu'on n'y est pas allé. Freeze! Et personne. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Bonjour.
peux pas croire que le président Kimball ait été tué. C'était un excellent chef pour la RNC. J'aimerais acheter des marchandises. Malheureusement, je peux pas faire de troc. Allez, vous n'avez pas envie de vous faire quelques capsules? Je suis pas ici pour faire de l'argent, mais pour surveiller l'approvisionnement de la RNC au barrage. Putain. Rien. Allez. C'est pas vrai. Puis alors, si je le tue, l'autre il va faire la gueule derrière. Si je le tue, il va faire la tête. Quand tu bloques tout, la sécurité trompe. Vous devez accéder à la salle de contrôle. Je suis sûr qu'il a plein de munitions planquées quelque part. Il faudrait des balles, moi. Ah, il y a des armures. Armure Droco, casque Droco. Il faudrait que je le zigouille, mais il faudrait pas que Boone voit ça, parce que s'il voit ça, c'est fini. Ok, bon, il faut trouver la sortie. Je remonte à la surface. Un peu paumé, moi, là-dedans. C'est vraiment labyrinthique, leur truc. Après, ça m'emmène en haut de l'ascenseur, non? Ouais, nickel. Alors j'espère qu'il n'y a pas encore 400 gars qui nous attendent à l'extérieur. Ça pourrait être bien. Fuck RN... ouais, NCR. RNC, c'est la même chose. Fuck RNC, ouais. Fuck la police. Ça existe encore à cette époque-là. Il n'y a personne. Ah, s'ils ont apparu... Moi je me replie. Allez les centurions. Personne ne m'échappe. Oh, ils les ont défoncés. Bien joué, Sécuriton. Alors on en profite, on avance. Mince, c'est de la poudre de guérison, ça faut que je prenne. Voilà. Lance thermique, c'est quoi ce délire? Ah, inaccessible. Mince. Oh, faut que je passe par en dessous, ça veut dire. Donc je suis remonté pour rien. Bon. Eh ben, on va redescendre dans les profondeurs du barrage, alors. Ça sentait le traquenard. Bon, est-ce que je vais retrouver mon chemin? Parce que si c'est labyrinthique, je vais encore me perdre. Je le sens bien. De toute façon, je me perds souvent là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré avec le fusil de chasse? Voilà. C'est quoi ça, une lance thermique? Ouais, j'ai envie de dire ouais, pourquoi pas. Arrêtez, personne n'a le droit d'entrer dans la salle de contrôle. Merde, pourtant ça faut que j'aille. Alors là les gars. Putain, soldat de la RNC en armure assistée, rien que ça. Rien que ça. Et pourtant faut que je passe là-dedans. Oh my god, comment est-ce qu'on va faire? On va commencer par sauvegarder, déjà. On va commencer par sauvegarder. Puis il faut les attaquer, hein. C'est pas comme si on avait le choix.
Ok, bon, on va faire comme ça. Bonjour. Je suis désolé. Non, ça va, tu l'as plutôt bien pris. Ça va, il l'a bien pris. Ah, j'ai pas assez d'entraînement pour prendre l'armure, c'est dommage. Ah, moi qui vais faire ça discrètement. Ça y en a tout le monde à dos, c'est trop bon. Où est le générateur? Sa moitié de contrôle est connectée aux banques informatiques principales du barrage d'Hoover. Installe la puce neutralisée. Non, mais c'est pas, je vais pas le neutraliser. J'aimerais bien avoir mes méga robots. Je vous ai dit que je ne travaillerai pas contre la RNC. C'est toujours valable. Allez. Je me casse. Oh non, Boons. Fais-moi pas ça. Boons, s'il te plaît. Non, non, reviens. J'ai perdu tout. M'oblige pas à te tuer. Oh, je suis désolé, Boons. Merci pour tous ces services que tu m'as fait. Je ne t'oublierai jamais, Boons. Il y avait plein de trucs. Il avait plein de trucs. Mais ah, je pensais que je pouvais faire deux trucs dans la quête. Attendez, j'ai pas compris. Aller dans la salle de contrôle du barrage Hoover à installer la puce. Ok, bon, on va faire ça alors. Bonjour! Quel plaisir de vous revoir! Salut Benini! Alors, on peut faire sauter les générateurs du barrage ou sinon je peux dévier l'énergie du barrage vers le fort. Ça permettra d'activer l'armée de Securitron et de les lâcher sur le terrain pour massacrer la Légion. Qu'en dites-vous? Alimenter le fort. Ouais! Ça va être super marrant! Je déverrouille la centrale Est. Appuyez sur l'interrupteur manuel, puis passez à l'étage supérieur pour vous occuper de la Légion et de la RNC. Il est où le bouton? Il est dans une salle un peu plus loin. Ok, alors ça c'est bon ça, on va contrôler le monde. Et qu'est-ce qu'on va faire, Cortex? Comme toutes les nuits, Minus. Nous allons conquérir le monde. C'est trop ça. Là, j'ai une super carabine de tireur d'élite réparée à fond. J'ai plus mon fusil de chasse. Il est où mon fusil de chasse? Voilà. Allez, viens avec moi, Securitron. Il est où ce bouton? On va sauvegarder peut-être. Aïe 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 aïe. Allez, viens me voir. Suivant, allez, venez. Là, je vous attends. Franchement, viens. Oh non, il est parti se cacher. Oh, ça lui fait rien. Merci, Securitron.
Fuck la RNC, mon gars. Allez. On va pas le redire, mais je travaille pour moi, les gars. Oh non, 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 aide-moi, c'est que du tronc. Ah, ce coup de décharge de chevrotine qui fait voler au bout de la pièce. Allez. Si on trouve un lit, faudrait que je me soigne, ça serait bien. On va faire comme d'hab, réparer ses fusils. Voilà. Oh, lui il est à fond, hein. Je vais te jeter lui. Abandonné. On va peut-être se soigner un peu aussi au passage. Un petit coup de rat de whey. Ah mais là le fait d'avoir tiré sur tout le monde c'est trop bon. Mais ça va être dur je pense. Faut que j'aille par là. Ah non c'est un cul-de-sac. Il y a le bouton, dites-moi que c'est ça le bouton. Activez l'interrupteur. Sortir par le côté est du barrage. C'est où ça? C'est juste par là. Ok, on va passer par là alors. Alors j'espère que je vais sortir et qu'il y aura mon armée de sécuritron qui vont être dehors en train de tuer tout le monde. Ce serait tellement bien. Petite sauvegarde quand même en cas où. Qu'est-ce que c'est bon d'être méchant. J'imagine pas le dawa que ça va être dehors. Si j'ai toute mon armée de sécuritron qui est là. Déjà le président de la RNC est mort. Il me reste peut-être le dirigeant de la Légion de César à tuer aussi. Aller au camp du Légat et se charger du Légat et de la Légion de César. Ouais mais enfin tout seul. Oh non, je le sens mal là. Waouh. Ah mais il est tout réparé. Bien joué mon gars. Fusil laser antimatériel, tronçonneuse. Putain, mais ça rigole pas. Ah, ils ont des fusils anti. Les salauds quoi. Ça ressemble à quoi un fusil antimatériel? Ah, c'est un 50 call. On dirait le sniper dans Halo. Faut que j'aille par où là? Ah ah! Hey yeah, j'ai mes sécuritrons qui sont en train de tirer. La classe! Je peux rien faire contre mes sécuritrons.
Oh là, mais on les explose. Par contre, c'est en train de défoncer mes sécurités encore, fusil. Oh là là, mais je les explose aussi, par contre. Ah, je tire à côté. Ah ouais, ils prennent cher les sécurités avec leur fusil. Ah, par contre, un coup, ça one shot. Ah ouais, t'as rechargé? T'es cru malin, hein. C'est juste abusé, le recul du mec quand il meurt. Oh, il avait un fusil de chasse, ça, je m'en fous, fusil de chasse. Vous n'avez pas qu'il avait un fusil antimatériel, hein. Voilà. C'est ça que je veux. Ah ouais, je suis trop lourd. Il va falloir que je répare mon fusil antimatériel, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, en plus, j'ai ramassé trop de balles. Pas grave, je vais encore le réparer mon fusil antimatériel là. Voilà. Il est où le camp? Ah, il est là-bas. Ah, mais je vois des sécurités qui vont m'attaquer. Qui vont m'aider. Ça va être cool. Ah non! Voilà. Voilà, on a cette sensation de puissance qui m'envahit. Ah mince, la poudre de guérison. Mince, qu'est-ce que j'ai ramassé? J'ai ramassé son arme. Et juste la poudre de guérison. J'ai plus de grenades, je vais le jeter. Lance thermique, je m'en fous un peu, ça prend du poids pour rien. Super masse, c'est pareil. Mais ma poudre de guérison, je vais me soigner un peu, voilà. On va sauvegarder. Allez, lance-roquette. Venez ici, mon armée de sécuritron. On va attaquer le camp du Léga. Je pense que ça va être tendu, le camp du Léga. Ils vont arriver à 50. Putain, qu'est-ce qui tremble par contre? Ah, puis c'est des gars de prétorien carrément. J'ai pas mes robots avec moi. Aïe 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 aïe. Bah franchement, je le sens mal. Hein. Non, mais arrête de trembler comme ça. Allez. Waouh, c'est abusé, tiens. De lancer de cadavre, record battu. Dernière armure prétorienne. Point balistique, on m'a bien fait mal avec ces points balistiques. Hein. Par contre, j'aurais pensé que mes robots viendraient me filer un coup de main quand même. Mais apparemment, je me suis trompé. Apparemment, je me suis trompé. C'est pas grave. On va se retrouver tout seul pour affronter un camp entier avec un Léga tout au fond. Alors, c'est bien juste, ça me soigne. J'y vois rien. Où est-ce qu'ils sont? On
a partout. Oh là là. Tu m'échapperas pas. Il m'a vu. D'où il m'a vu? C'est quoi qui me fait ça? Je suis handicapé de la tête? Ah bah oui, je suis handicapé de la tête. Ah puis j'ai rien pour me soigner alors comme ça. J'y vois rien, c'est cool. Invincible ou quoi? Headshot. Allez, viens là toi. Oh non, j'ai pas assez de points. Oh mais je suis aveugle, c'est pas juste. Oh là là, puis je tire à côté. Non, ça me plaît pas trop, j'ai pas trop envie de mourir là. Vite, une petite esquive sur le côté. Oh, il me l'a quand même mis son coup de poing. Faut que je one shot, j'ai pas le choix. Oh non. Explosion de trip. Attends, faut que je fouille un de ces morceaux pour trouver de la bouffe. Attends, faut que je me soigne. Si je galère déjà contre eux, je me rends même pas compte contre les gars comment je vais me faire défoncer. Bon allez, on va essayer de manger quelque chose pour soigner. Ah ouais, mais je suis infirme de la tête, carrément. Voilà, ah, j'ai bu toute l'eau que je pouvais. Ça devrait me refaire gagner de la santé. Je suis complètement aveugle, j'y vois plus rien. Il n'y a pas un lit là? Je puisse aller dormir un peu. Un ennemi là par contre. Je sais, je l'ai vu. Où est-ce qu'il est? Qui c'est qui me tire dessus? Oh, c'est qu'il vise bien. On va essayer de se rapprocher pour lui mettre des coups de cette arme. T'as raison, tire-moi dessus. Par contre, ça m'embête de gaspiller une balle de cette arme pour toi. Voilà, hop. Pas de lit par là, non, ils n'ont pas de lit de camp. Oh putain, il me faut un lit de camp pour dormir. En train de me régénérer un petit peu. Non. J'ai pas de trousse de soins. Oh là là, mais c'est la dèche.
C'est la dèche totale. On va récupérer le super fusil là. Il me reste que 8 balles. Pas que je les gaspille. Ah, il y a une tente. Peut-être que je peux aller pioncer. Ah, impossible de dormir, les ennemis sont trop proches. Bah évidemment. Ça serait trop facile sinon. Putain, quand du les gars. Oh, yeah, 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 yeah. J'ai pas de steam pack. Je peux pas dormir, il y a des ennemis à côté, ils me disent. Oh, j'y vois rien du tout. Quel émissaire de Vegas se présente à moi avec un équipement pour le combat ? Tu ne viens sans doute pas de cette cité de lâches. Je suis là pour un joli masque, ça fera un beau trophée. Nous verrons si tu seras aussi brave quand on te clouera au mur du barrage Hoover, ton corps tourné vers l'ouest pour admirer la chute de ton monde. Mort aussi. Ouais, d'accord, mon arme ne fait rien. Énorme. Couler en enfer. Oh là, il a appelé tous ses potes. Je vais jamais réussir à les tuer. Hein. On va faire ça. Hein. Ah, je me suis bloqué. Ah, moi qui bug. Oh la blague, il bug. Ah, peut-être pas pour longtemps. Peut-être pas pour longtemps. J'ai cru qu'ils étaient buggés. Non, faut que je trouve un moyen de les tuer. Faut que j'arrive à m'enfuir de leur camp. Faut que j'arrive à m'enfuir de leur camp sinon et que je sorte et que les sécuritrons me filent un coup de main. On va essayer ça. Je vais commencer par essayer de me soigner pour avoir le plus de vie possible avant de commencer. Alors l'épée, je vais mettre ça là. Avec le psycho ici. De récupérer mes PA le plus rapidement possible. Quel émissaire de Vegas. Blablabla. Ah, on va essayer à peut-être accepter à vous d'entendre raison. Je vois que tu te bats par le verbe, comme ceux qui se battent sous la bannière de l'ours. Espérons que ton talent est plus grand, l'arme à la main. Un discours 55, la bataille est décidée, c'est pour ça que je suis là. Donc tu cherches un arrangement, les termes d'une reddition. Nos routes qui mènent vers la RNC sont jonchées de cadavres de ceux qui ont tenté de négocier avec nous. Économise ta salive, nous prendrons le contrôle du barrage Hoover et avançons jusqu'à ce que nos armées piétinent le soleil couchant. Non, j'ai pas assez de persuasion. Pour la Légion. Ouais, pour la Légion. Rêve lâche. On va essayer de s'enfuir. Oh là là, mais c'est qu'il court plus vite que moi en plus, ce saligo. Et si je me mets là? Est-ce qu'il arrive à monter ou est-ce qu'il bloque? Non, il arrive à monter.
Oh, je me suis perdu, c'est pas là où fallait que j'aille. Oh non. Oh mais non, mais l'écran est fermé. Oh les chacos. Oh ouais, pff, oh là là, mais comment je vais faire pour les tuer? Ils sont 600. Et ma grenade explose après. Ok, donc je sais que je peux pas m'enfuir, donc mon plan avec les sécuritrons ne sert à rien. C'est pas grave. Ça j'ai dit que je voulais le mettre là. Alors, on va essayer de trouver un moyen de le tuer. Hein. Alors, faut que je prenne ce fusil-là. Et que j'ai mon fusil anti-émeute. Voilà. Et après, je vais vider mes cartouches d'anti-émeute. Faut que je trouve un endroit où je puisse grimper. J'irais prendre juste un poil de hauteur et qu'ils m'atteignent pas, qui sont encore à corps. Ça pourrait grave le faire. Enfin, je vais sauvegarder avec tout de près. On va l'affronter. Hein. Jusqu'à temps qu'on trouve un moyen de le tuer. J'espère que je ne mette pas 3 heures à le tuer. De Vegas. Bon, blablabla. Je suis l'exécuteur de la volonté de César. Je suis le marteau écrasant ceux qui défient sa gouvernance. Si tu décides de te dresser contre moi, tu tomberas comme le reste de l'Ouest. Assez parlé. Ça lui fait rien en dégâts, je suis vert. Sauvage. Aïe aïe aïe. Bah, ils me font trop mal aussi. Ah, je suis où là? D'accord, ça servait à rien. Quoi? Pourquoi il y en a qui ont des armes là? Oh là là! Oh, mais comment je suis censé les tuer tout seul? Ils sont bien trop nombreux. Attendez. Pff, on trouve une solution. Que là, de toute façon, à la loyale, je les aurais pas. C'est presque sûr et certain. Oh merde, vestiaire vide. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Donc, il y a un pistolet 9 mm, mais ça, je m'en fous. Pas dormir, des ennemis sont juste à côté, ça marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne qui pourrait me sauver la vie là-dedans? Alors j'ai du soin, mais je pourrais jamais, j'aurais jamais le temps d'utiliser. Comment je vais faire? Ah, je me suis fait appairer par un ennemi. Il y a un ennemi là-haut.
On va aller le chercher alors. Ah, je peux essayer de m'enfuir par là. Non, ça marchera pas non plus. Non, je peux pas sauter par là. Saute, 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 saute. Quoi, qui ? Oh là 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 là, même lui il me fait trop mal quoi. C'est abusé. Comment je fais pour monter le voir ? Je peux même pas monter aller le voir. Oh là là, attends, j'ai même le buste de défoncer. Oh là là, même lui, j'arrive pas à le tuer. Ils ont des armures blindées, ça leur fait rien du tout, mes balles. Ils ont rien qui traîne dans les caisses. Ah, je suis dégoûté quoi. Je pensais vraiment qu'avec mon armée de Sécuritron, il sera avec moi pour le combattre au moins. Et si j'attaque d'ici ? Oh là, oh là, oh là, c'est quoi ça ? Oh là 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 là. Cette visée, qu'est-ce qu'elle est lourde ! Ça marche pas non plus comme ça. Oh là là, mais je vais jamais arriver à le tuer. Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? J'arrive à trouver une place en hauteur. Putain, j'aurais su, j'aurais gardé Boone. Je peux me trouver une place par là, par exemple. Ah, attendez. Moi qui ai mis un mur invisible. Ah putain, ils ont mis un mur invisible. Ah, oh, c'est chien galeux. Le développeur. Ah, il y a un mur invisible. Je ne peux même pas y aller. Allez, quoi. Je me trouve un endroit en hauteur où je puisse tirer. Ils viennent pas me chercher. Attendez, 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 attendez. Peut-être une idée. Puis en plus, les sauts dans Fallout, c'est une horreur. Non, ça marche pas, je peux pas sauter sur le rebord. Allez, saute! Putain, on dirait un handicapé, quoi, mon personnage. Allez, saute! Saute! Alors, est-ce que par là? Non, c'est pareil, ils m'ont mis un mur invisible. Ah, j'ai pas de mur invisible. Alors... que de là je peux déclencher la bataille contre César sûrement avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont ?
Ils ont des grenades aussi. On peut pas me dire qu'ils ont des grenades aussi. Qui c'est qui me tire dessus? Putain, ils ont tout prévu les développeurs. Oh là 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 là, ils ont des grenades à l'infini. Oh, c'est pas vrai. Ça marchera pas non plus cette technique. Je sais pas comment je vais faire. Très franchement, je crois que le jeu, je suis bloqué là. Parce que j'ai sauvegardé, j'ai rien. Rien en plus en dégâts quoi. Oh, j'ai pas assez de PA. Je me cherche dans les moindres centimètres. J'ai même pas de mine. Putain, j'aurais su, j'aurais mis des mines partout ici avant d'y aller. Ils sont dans la gueule. Moi qui crains les fusils laser. Ou ça peut-être. Non, il est protégé, mais ouais. Pourquoi je peux tirer? Oh, ça sert à rien, il me bloque. Je vais essayer les armes énergétiques. Putain, j'ai bien peur d'être bloqué dans le jeu. Je vais pas pouvoir le finir à cause de ça. Moi, je puisse revenir en arrière. Ça, il le craint ou il va être immunisé aussi? Je vais faire rien. Je m'embête avec ça, ça lui fait pas de dégâts. Même l'épée quoi, je peux rien faire. Ah, ils ont fermé le camp de tous les côtés, toutes les portes sont fermées, y'a rien à faire. Je suis vraiment dégoûté que mes mégatrons ils puissent pas venir. Putain, ils auraient au moins pu laisser mes mégatrons, ça sert à rien alors que je déverrouille s'ils me filent pas un coup de main pour tuer le gars. Là, je peux faire ma prostitute. Attaque furtif. Mon attaque est passée. Oh,
mais je lui ai fait trop mal. Oh, toute la vie que j'ai enlevé en une balle. Oh, non, 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 je me suis fait. C'est que je leur ai fait mal, la vache. Allez. Oh non, c'est une porte qui s'ouvre. Oh non. Donc c'est que je peux lui faire hyper mal de là-bas. Attendez, c'est vrai que c'est une porte qui s'ouvre. Est-ce que je peux rouvrir l'autre porte au fond là-bas? L'ouvrir. Mais ces portes là je peux les ouvrir. Ah, j'ai pas assez de savoir, de savoir-faire pour ouvrir la porte, c'est ça? C'est de le remettre dans la tête alors d'ici. Il était où? Il était là, le bout de son casque. Voilà. Mince, là j'ai rien fait. Il passe travers la porte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, oh là là. Comment je vais le tuer? Même pas revenir en arrière, je peux rien faire, je suis bloqué ici. Putain, il pourrait au moins prévenir, attention, zone super dure derrière. Oh, ça me fait glisser là. Ok, j'ai mis une attaque furtif. On va rester planqué là. Où est-ce qu'il est parti se cacher là? Je ne le vois plus. Ah, il me touche d'ici, mais non, c'est abusé quoi. Vas-y, c'est pas une épée qu'il a. Ouais, mais je suis mort, ça sert à rien. Je sais vraiment pas quoi faire.
Pfff, j'arrive à le rater à bout portant. Génial. Comment je vais faire? Si je baisse la difficulté à très facile, on va faire ça. On va voir si ça change quelque chose en très facile ou si c'est encore aussi dur. Si je vais pas y arriver, je fais plus de dégâts déjà. Préparation. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Non, j'avais plus rien pour me soigner, je crois bien. Oh non, mais c'est dégueulasse, je vais encore crever. Il appelle tous ses potes. Bon, bah, je sais que j'ai rencontré facile, ça va être plus simple. Hein. Ça va être plus simple en très facile. Oh, j'ai honte, quoi. J'ai honte. J'ai foncé dans le tas, j'ai rien préparé. Et voilà ce que ça donne. Je vais chercher toutes les poutres de guérison qu'il y a là-bas. On va faire comme ça. Mais non, tout ce que je veux, moi, c'est les poutres de guérison. Putain, il n'y a plus de poutres de guérison. J'ai pas rêvé, la dernière fois, il y avait des poutres de guérison dans les caisses. Voilà. Ouais, le seul problème de la poudre de guérison, c'est que c'est pas instantané. Hein. J'ai la poudre de guérison. On va attaquer l'autre rigolo. Et on va pas se laisser faire. Faut essayer de leur mettre un coup critique. Pète les oies. Il doit être par là. C'est lui. Oh, all one shot. Ça c'est classe.
Putain, j'y vois rien. Enfin, eux, on peut aller chercher au corps à corps. Hein. Si l'autre est mort. Ça y est, ils vont s'énerver. J'ai tué leur capitaine, leur chef. Qu'est-ce qui se passe, m'attaque pas ? Alors, vêtements. Vous m'attaquez ou vous me vénérez? Pourquoi j'ai posé la question? Ça suffira! À genoux, chien. Elle est pour toi, mon gars. Voilà. Ça y est, j'ai enfin fini. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Parce que je l'ai tué le gars quand même. Ce général Olivier de la RNC. Oh non, c'est pas vrai, j'ai pas fini. Bah ouais, faut que je tue les deux. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va tuer le gars de la RNC alors. J'espère que ce sera plus facile. C'est quoi ce bordel? Oh non, la blague! Oh, elles sont trop bien leurs armures. Par contre, je vais vous piquer vos armures quand vous serez morts, les gars. César crucifié, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un faire aussi bien que vous aujourd'hui. Vraiment très longtemps. Et le hurlement de ces légionnaires fuyant vers l'est. On aurait dit un cœur céleste. À ce propos, ce son et lumière au fort, c'était le doigt de Dieu que vous aviez invoqué? Incroyable. Vraiment incroyable. Ouais, mais tu vas mourir aussi, par contre. Si j'avais une centaine d'hommes comme vous à envoyer dans l'Est, je ne donnerais pas cher de ces emplumés. Ces garçons sont avec vous. Bonjour, boy. Oh, la classe. Ce n'est pas un secret que vous... vous pourriez leur demander de baisser leurs armes. Je fouillais dans ma poche pour vous donner un cigare. Ah oui, Sécuriton. Éliminer la RNC dans le secteur. C'est ce à quoi je m'attendais. Allez, venez, on vous attend. Oh non, non, non. Oh, puis j'ai même pas sauvegardé quand j'ai tué le dégât. J'ai en train d'y penser, j'étais tellement euphorique. Oh là 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 là. Non, ne faut pas que j'ai pas sauvegardé. Oh la blague, la blague. C'est vraiment une blague. C'est pas possible.
aura plus tir à côté. C'est vraiment n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Ça suffira! Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi naze que moi. Je le tue et je pense même pas à sauvegarder. Ah là là. Le pire épisode de Fallout New Vegas que j'ai jamais tourné, je crois bien. Ça fait quelque chose, ça. Oh là là là, mais c'est... Est-ce que je vais arriver à finir ce jeu sur ou l'autre? Pourquoi tout à l'heure j'ai fait un critique? Ah, parce que j'étais abaissé, je pense. J'ai même pas éparpillé ma balle là. Ben, je tire où là? Je tire bien dessus pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Où vont mes balles là? Oh, et puis cet handicap de la tête que je peux pas guérir. Oh, je peux pas le guérir. C'est bon, je l'ai eu. Pouf. Sauvegarder. Chercher ses affaires. C'est assez sauvegardé. Et après, il faut que je tue le général. Voilà, je vais les laisser eux. Donc, peut-être m'équiper mes grenades incendiaires. Et la poudre de soin. Alors, c'est quoi la méga poudre de soin du général là? Soigne plus 6, ouais, ça c'est bon, je vais l'équiper là. Je vais refaire une sauvegarde. Comme ça, on va essayer de tuer le général. Pour enfin finir ce jeu, parce que je crois que c'est l'épisode le plus ridicule que j'ai jamais tourné. Non, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'ai encore oublié? D'accord, faut que je finisse de tuer les deux mecs en haut. Je vais pas m'en sortir.
m'échappera pas. Wow. Tu penses vraiment que tu vas survivre? Et c'est là où je vais prendre mes grenades incendiaires. Et on va refaire une sauvegarde devant. Comme ça, si je meurs, j'aurai qu'à recommencer le général Olivier pour essayer de trouver la bonne technique. En espérant que je mette moins de temps pour le tuer que le mec de la Légion de César. Oh, j'y crois pas quoi, ça fait 1h30 que la vidéo a commencé. J'ai rien fait de la vidéo quoi. Dépêche-toi ton blabla là. César. Ce n'est pas un secret que... Bien joué, vous les boys. Vous avez fait du bon boulot en vous occupant de tout ça. Et je ne dis pas ça parce que je suis obligé. Hein. Je ne voulais pas insister tant que nous n'avions pas gagné, mais... Bon, j'ai trouvé des fragments de données dans une des banques de Monsieur House me permettant de... me reprogrammer. Pour prendre de la science, en fait. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais ça va me prendre un bon moment. Et j'aurai l'air d'être hors service. Mais tout va bien se passer. J'ai mis à jour les paramètres de ciblage des sécuritons pour qu'ils sachent quoi faire. Vegas sera bien protégé. Alors je serai là-bas. J'effectuerai quelques changements et je... Vous retrouverez. Ça sent le mauvais plan, quoi. Nous avons fait des choses ensemble. C'était sympa. Faites attention à vous. Je suis sûr qu'il va se retourner contre moi, Benny Oui-Oui. Et le courrier, qui avait échappé à la mort à Good Springs, en réchappa encore. Et les terres dévastées de Morave en furent transformées à jamais. Le courrier... Avec l'aide de Benny Oui-Oui, chassa la Légion et la RNC du barrage Hoover, assurant ainsi l'indépendance de New Vegas. Monsieur House écarté, une partie des sécuritrons fut dépêchée sur le strip pour y maintenir l'ordre. Le chaos qui s'était installé fut promptement jugulé. Il se transforma en incertitude, puis en résignation. On déplora peu de victimes. New Vegas s'imposa comme une puissance indépendante dans le Morave. Chantre des idéaux indépendantistes, le courrier fut célébré comme le libérateur de New Vegas. Il mit un terme à la tyrannie de Monsieur House et s'assura que New Vegas ne tomberait jamais aux mains de la Légion de César ou de la RNC. Vu le peu d'ordre subsistant dans les terres dévastées, les boomers continuèrent à défendre leurs terres contre prospecteurs et autres récupérateurs. New Vegas, devenu indépendant grâce au courrier, devint également plus instable et plus violent. Le vieux fort Mormon, débordé par l'afflux de patients, eut de plus en plus de mal à offrir les services les plus élémentaires. Avec l'indépendance officielle de New Vegas, Good Springs connut une période florissante. Le nombre de voyageurs y faisant halte à l'aller ou au retour du strip augmenta, tout comme la prospérité des habitants. Les Kings gardent le contrôle de la zone, et même s'ils ne cachent pas leur préférence pour les gens du coin, ils tolèrent les citoyens de la RNC. La destruction des fusées de Repcon aurait pu être une bénédiction pour les récupérateurs de Novak. Mais ce ne fut pas le cas. Le carburant radioactif s'infiltra dans le sol et contamina la région. Les prospecteurs durent partir et la ville fut abandonnée. Fatigué d'attendre que le monde en finisse avec lui, Boone partit dans les terres dévastées pour en finir. Abattu par la perte du barrage, la RNC fut incapable d'affecter des troupes à la reprise de la prison.
Les caravanes traversant le Morave eurent à souffrir pendant de nombreuses années des raids des poudriers. Armés d'explosifs de fortune et d'armes volées, les poudriers de l'abri 19 mirent à feu et à sang les terres dévastées pendant des années. Leur cible favorite était les ressortissants de la RNC, auxquels ils réservaient la fin la plus atroce possible. Après la bataille du barrage Hoover, le shérif Meyers dirigea Prim selon sa propre idée de la justice. Il était juste avec la plupart des gens, mais de temps en temps, on retrouvait un mort, sans preuve. Et ainsi s'acheva le voyage du courrier, pour l'instant. Dans le nouveau monde des terres dévastées, la lutte continua. Le sang coula, les générations se succédèrent, comme dans l'ancien monde. Car la guerre a toujours le même visage. Et ben voilà, c'est la fin de cette aventure sur Fallout New Vegas. L'épisode final était catastrophique, surtout la dernière partie où il fallait battre le Lega. J'espère que cette aventure vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure sur un RPG japonais steampunk qui arrivera très bientôt de toute façon. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les loulous!